Oh là, mais c'est trop, j'espère que vous allez bien. Trop bizarre. Et ben, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais. Bon, il est tard donc je parle pas très très fort, mais en gros, on va faire une vidéo Roller King. Par contre, j'espère, ce qui serait cool, c'est que toutes les personnes que j'aurais pris ce soir, ce serait cool qu'elles aient toutes des genre des looks Halloween. Comme ça aurait pu faire genre un truc spécial Halloween. En tout cas, pour les personnes qui mettront, comme d'habitude, si vous voulez être looké, il faut juste marquer dans la barre de commentaires de la vidéo votre pseudo de votre movie star pour que je puisse aller vous relooker. Et pour ceux qui ont des trucs d'Halloween, précisez-le dans votre commentaire, dites-moi votre pseudo et dites oui, voilà, moi j'ai des trucs d'Halloween, mais pas qu'un seul, parce que sinon, si je refais le même look que vous avez, mais genre si vous avez plusieurs trucs d'Halloween, n'hésitez pas à me le dire, et puis je choisirai au moins une personne qui a des trucs d'Halloween pour la prochaine vidéo. Voilà. Et merci à Liloustan83 pour la salutation, merci beaucoup, je vous fais un très très gros bisous, merci beaucoup. Et du coup, on a pris la première personne, Polo du 25. Alors, je vous avouerai, il a marqué dans son commentaire que c'était un garçon, et c'est pour ça que je l'ai choisi, hein, puisque effectivement, il sait pas tout le temps qu'il y a des garçons. Oh, merci beaucoup. Merci. En plus, j'ai même pas prévenu que je partais en vidéo. Elle était pas au courant. Mais voilà, comme ça, elle fera une petite pub. Voilà. Faut pas que j'oublie de la remercier après avoir tourné la vidéo. Waouh. Tu vas me dire que je lag. Il a un peu 2 h du matin au moment où je tourne cette vidéo. En fait, je voulais mettre cette vidéo pour. Ben, on est dimanche, 2 h du matin. Et je voulais. Bah, tiens, on va lui envoyer une invitation en même temps. Ah, plus de tête. Il a une tête. Plus de tête. Non, plus de tête. Il a une tête. Bon, j'arrive pas du coup. Attends, je vais réessayer. Ah, si, c'est bon. Hop. Un petit toto. Ok, pas de petit toto. Si, peut-être que ça a été envoyé. J'en sais rien. Bref, c'est pas grave. On va faire le look, sinon on va pas y arriver. Alors. Comment ça se fait que je lag alors qu'il est genre j'ai un peine de me connecter et tout? Ah, il m'a créé un look. Bah, il a un look Halloween. Il a les trucs de l'année dernière. Le chat et tout ça, c'est les trucs qu'on avait l'année dernière. Hop, on va tout enlever. Ah bah du coup vous avez quand même le make-up Halloween. Bon, ça on peut pas enlever parce que c'est le make-up. On enlève ça, on enlève ça. Ok, j'ai eu peur qu'à un moment ça n'allait pas charger. Bon, on va essayer de partir dans des trucs assez dark, malgré le fait que vous ayez pour le moment peut-être pas tous encore acheté des trucs Halloween. Ouais, on va être dans des looks un petit peu dark, mais quand même, on va essayer de rester dans le stylé. Oui, c'est sympa. Mais je préfère l'autre quand même. J'aime bien ce t-shirt. Même en vrai, IRL, je pourrais porter moi-même ce t-shirt. Il est trop beau. Il est trop swag. Ok, on va rester sur ce t-shirt-là. Table de pantalon, je pense à un pantalon simple, noir, mais efficace. Ok, vous voyez comment ça lag. Bon. On peut pas. On va pas de compte, on va pas de copains. On va pas de copains, ça commence très très bien cette vidéo, j'adore. Mais pourtant, c'est chaud quand même. Oh. Bon, heureusement que j'ai à peine commencé le look. On va réessayer. On va réessayer, on y croit. Peut-être commencer par la coupe. Celle-là, elle est pas mal. On va essayer de voir un peu plus loin, voir s'il n'y a pas un truc un peu spécial. Non, on peut pas aller plus loin parce qu'en fait, il n'y a pas plus loin. Hop, ça, on avait déjà choisi. Pour le pantalon, j'avais dit un pantalon noir simple, ce serait bien. Un truc un peu plus noir, peut-être. Celui-là, il est cool aussi. Ouais. Non, celui-là, franchement, ouais. Bon, j'avais dit noir à la base, mais c'est pas grave. Des chaussures, parce que pieds nus, c'est pas ouf. Ouais, ça, c'est sympa. C'est pas trop... Ah, ça, c'est nice. Ça, j'aime bien. Ça, on va rester là-dessus. Et niveau accessorisation... Je crois qu'il n'y a pas des étoiles, mais genre de la même couleur que les cœurs, pour faire un petit rappel. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va mettre la main. Attends, ça je vais l'enlever en fait, à la base j'ai pas enlevé en fait, mais on peut l'enlever. Si on met une casquette, non, avec les cheveux ça matche pas. Ça matche pas avec les cheveux. Si on mettait ça, oui. Oh. Ça c'est sympa, j'aime bien. Avec une cravate du coup. Avec la cravate, je pense que c'est quand même mieux que la main de zombie. Parce qu'en fait, le chapeau, il va bien parce que vu qu'il a le make-up avec le cœur sur l'œil, bah, ça fait un peu genre magicien. Ça fait genre c'est un magicien. Bah écoutez, je suis assez contente. Bon, le look est assez simple. Mais il est pas mal, non? En fait, il y a tout le monde qui a mis des tatouages à ce que je vois. Bon, sauf Naya ici. Et là, on va mettre la quinzaine. Et pense... Alors, voilà. Pour la deuxième personne à se faire relooker dans cette vidéo, et eh bien c'est Evie Loli.
J'en profite en même temps, j'ai envoyé des invitations aux personnes que je relook. Là, je peux envoyer un petit auto bien sur Kowi. Et on va faire le relooking. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là comme affaire? Alors là, je vois des déguisements. Catwoman, la démon. Ok. Hop. Hop, 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 hop. Et hop, on a le hockey, ça fait plaisir. Ok, on l'a mis à poil. Dit comme ça, c'est très bizarre. Alors, est-ce qu'on part sur un truc Catwoman? Alors, ça serait pas mal, genre, avec ça. C'est genre trop chelou. C'est genre trop chelou, mais du coup, je peux rien rajouter d'autre. Mais est-ce qu'elle a le masque? On va aller d'abord dans les accessoires. Non, je crois qu'elle a pas le masque de Catwoman. On va laisser les cils. On va laisser les fossiles. Peut-être qu'on va mettre ça et on va peut-être prendre une coupe qui va bien avec. Parce que d'habitude, je prends les accessoires toujours après la coupe. Et là, vu que j'avais vraiment envie de savoir si elle l'avait... Est-ce qu'on peut être ça plus ça? Ouh. Peut-être moyen de faire un combo. Mais t'imagines, tu laisses comme ça. Genre, elle a pas de cheveux, mais elle a deux chignons, mais sans doute. Avec un sac, ça peut le faire, non? En soi, ça passe, hein. Mais bon, non, on va enlever les sacs. Ça fait trop de contraste. Ça, c'est quoi? Non, on va l'enlever. C'est chelou, parce que ça va par-dessus la veste. Du coup, c'est chelou. Alors, si on descend plus bas. On va peut-être mettre ça. Ça va être... J'ai envie de tester de mettre ça, mais après, je peux pas mettre ça plus les chignons. Donc, on va pas le mettre, finalement. On va pas mettre de lunettes non plus. Ça fait un peu trop chargé avec tout le reste. Ça sert à rien de mettre des collants. On les voit pas, de toute manière. Ça sert à rien non plus. On le voit pas. Bon, niveau accessoires, du coup, on est bon. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va chercher directement une coupe. C'est sympathique, tout ça. Mais avec ça, ça fait beaucoup plus naturel. Entre ça et ça, franchement, la texture, celle-ci, elle fait beaucoup plus naturelle avec le reste. Après, attendez, si je mets genre celui-là, est-ce que tout lisse, ça passe? Tout lisse, ça passe aussi, mais je préfère quand même boucler. Je sais pas, le volume, you know. Bien sûr, mais ça, ça fait bizarre. Ouais, ça fait trop bizarre. Et ça? Bah, il y a déjà une frange dessus, donc il n'y a pas d'intérêt. Là, il y a un autre dos de chignon, il n'y a pas d'intérêt. Et là? Oh, ça, c'est bien. Ça, je valide. Ça, je valide encore plus que la première. Bon, on va rester là-dessus, parce que si je vois un autre truc, je vais vouloir changer, alors que ça, ça va super bien avec. On va quand même mettre des chaussures. Bah, du coup, vu qu'on est en noir, on va mettre celles-là. Celles-là, elles sont parfaites avec ce look. Je pense qu'il n'y en a aucune autre qui irait mieux que celle-ci, donc on va rester sur celle-ci. Ça, c'est un look total black. J'adore, en tout cas, j'aime bien. Ça fait un peu espionne de l'État. Tu travailles pour le CIC. CIGN. CIC pour le CIC. C'est une banque, le CIC. Comment on dit le NCIS, pardon. Et moi, j'ai dit CIC. Oh, il était sur l'aise à la fatigue. Et du coup, la 15, elle est passée par là. Mais en soi, il est bien le look. Bah franchement, moi j'aime bien en vrai. Ça passe nickel quand même. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup le foncé, mais... Mais voilà. Moi j'aime bien en tout cas. Don't judge me, ok. La troisième personne à se faire relooker, c'est Lina hashtag 212. Donc on va faire ça comme d'habitude. Maintenant, on va envoyer un petit autographe. Et on va partir pour le relooking. On va faire un relooking. Créer un look. Ok. Création du nouveau look, c'est parti. On va essayer de partir aussi dans les trucs d'art. Bon, ça sera un petit peu, voilà, vidéo spéciale darkness. Hein. C'est peut-être pas Halloween, parce que voilà, on n'est pas vraiment costume flippant avec du sang, etc. De l'hémoglobine et du ketchup. Mais c'est pas bien grave. J'aurais dû laisser des cils, parce que toute manière, je vais les remettre. Aïe. Ah, le chat, il m'a griffé la jambe. Ah, je meurs. Aidez-moi. Ok, c'est parti. Ça, j'aime bien. Mais c'est pas black. C'est pas total black. Total black look. Bon, je vais peut-être pas refaire exactement un look noir, mais un truc foncé ou un truc comme ça. Ouais, genre ça, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. On va enlever la coupe parce que ça me perturbe. Ici, est-ce qu'on a un collant peut-être dans les pantalons? Non. Donc, peut-être on va trouver un collant dans les accessoires. On va regarder d'abord pour la coupe. Bah, peut-être celle-là, du coup. Hein. Celle-là, elle va bien. Parce que celle-là, non. Mais celle-là, oui. Non, c'était pas... C'était celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, oui. En fait, elle a un make-up tellement foncé, en fait, que je trouve que ça contraste un petit peu trop avec, avec les cheveux blonds, donc, enfin, rose, limite, en fait. Parce que même blanc, je pense que ça irait mieux. Mais le rose, ça contraste trop avec le make-up, donc on va partir plutôt sur cette coupe-là, qui est vraiment bien. De toute façon, je vois aucune autre coupe qui pourrait faire mieux à faire. Peut-être que celle-ci.
Quoique, finalement, celle-ci est pas mal. C'est la fille, elle sait trop pas ce qu'elle veut. On va chercher d'abord les chaussures. Comme ça, ce sera fait. Ça c'est pas mal, mais c'est pas... Il manque un petit quelque chose. Non, on va rester plutôt sur les noirs comme ça. Au niveau accessoires, j'espère pouvoir trouver... Bah déjà, on va remettre les cils. Hein. Je vous avais dit de toute manière que j'allais les remettre. Hein. On va mettre ça. Ah, on peut pas mettre les cils plus ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut mettre ça? Ouais, ça plus ça. Oh, finalement, on aura quand même un look Halloween. Hein. Est-ce qu'on peut mettre du coup les lunettes? Oui, mais non, ça le fait pas. On peut les mettre, mais ça ne le fait pas. Ok. Voilà, nickel. On a des collants. On va pas mettre de sac, mais elle a pas de balai. Bon, ça, on va pas le mettre, mais... Ouais, non, pour l'instant, on va laisser comme ça. Niveau accessoires, je vois pas ce qu'on pourrait ajouter de plus. Là, c'est très très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Je pense que nous n'allons rien rajouter de plus. C'est pas mal. Et bah écoutez, on va valider comme ça. On va valider. Et on va marquer 16L, 15L et passer par là. Ok, donc je rappelle avant de couper cette vidéo, bah moi je me suis bien amusée. Franchement, il y aura peut-être même un peu plus de vidéos relooking si je vois que dans la prochaine vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont mis dans leurs commentaires, voilà, j'ai pas mal de choses pour Halloween. Ou même, de préférence, si vous pouvez même me préciser si vous avez mis un visage, parce que bon, la clinique beauté, je peux pas la changer, comme je vous ai dit, je me connecte pas sur vos comptes pour faire le look. Mais du coup, si vous avez des visages Halloween un peu flippants, etc., ben, peut-être que je vous prendrai en priorité, du moins pendant la période d'octobre pour Halloween, etc., pour le fun. Donc si vous avez un visage ou des affaires, ou les deux, c'est encore mieux. Précisez-moi dans votre commentaire, vous me dites voilà je voudrais bien relooking, je m'appelle Carolina du 5-7 dans la France, voilà, bref, un pseudo, j'ai dit au pif. Eh bien, vous mettez ça comme commentaire, et j'ai des j'ai des trucs d'Halloween, donc j'ai un visage pour Halloween et j'ai des affaires pour Halloween. Le mieux, c'est que vous en ayez plusieurs, parce que si je vous refais exactement le... Voilà, si vous avez qu'une seule robe d'Halloween, bah je serais obligée de mettre qu'une seule robe, j'aurais pas vraiment le choix. Mais voilà, bref, je pense que vous m'avez compris, je vais pas trop m'attarder plus que ça. Et bien écoutez, moi je vais couper cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits likes, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, ciao ciao.